Chloé et papa? Oh non, vous pouvez vraiment pas faire autrement? Non, c'est comme ça. Mais c'est pas vrai. Oh non. C'est la vie. Bon, ok, ouais, super, à plus. Ma cousine Josette débarque. Une fille extraterrestre, ici? Ouais, en plus, elle est insupportable. Comme ma sœur? Non, pire. Je suis très douée pour faire fuir les filles. Ça, je sais faire. Salut, les garçons! Bonjour, cousine Josette. Tu fais quoi là au juste? Je disais bonjour à ta cousine. Tu tomberais pas amoureux toi? Mais non, pas du tout. Si, ça se voit. Mais si je te dis que non, quand on est amoureux, on ne mange plus, on ne boit plus et on passe son temps à rire bêtement. Alors comme ça, Josette, tu viens du même village que Jamie? Et tu comptes rester longtemps ici? Oh non, non, elle ne fait que passer. Elle repart très bientôt. Hein, Josette? Elle finit son assiette et hop, elle est partie. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Je veux visiter un peu, moi. Et d'ailleurs, Nerdy m'a promis qu'il me ferait découvrir sa planète. Hein? Dis-lui, Nerdy. Tu veux dire te faire découvrir la région? Quelle région? Tu as dit sa planète. Je pense que tu as voulu dire région. Si tu disais planète, ça voudrait dire que tu viens d'une autre planète. Tu imagines ça, ma chérie? On aurait invité une véritable extraterrestre à notre table. Oui, c'est bien région qu'elle a voulu dire. Parce qu'évidemment, nous, on vient de la planète Terre. De la Terre! Ça y est! Gluant. Mais enfin, ma chérie, il vient de dire exactement le contraire. Et toi, t'es au courant que t'as l'air super niais avec tes yeux de poisson frit et ton rire complètement bébête, on dirait une otarie qui allait au quai. La cousine de Jamie est venue lui rendre visite, elle s'appelle Josette. Très bien, nous allons donc enlever cette Josette pour l'échanger contre Jamie. Et pourquoi qu'on n'enlève pas directement Jamie? Trop. Mais parce qu'on ne pourrait pas faire d'échange, sergent. Réfléchissez. On n'échange pas quelqu'un contre lui-même. Ah ben oui. Comme je suis bête. Alors là, tu vois, c'est moi que j'ai eu la rougeole purulente. Et puis là, c'est que j'ai eu les oreillons. Et là, je vais la grippe des dents. Et là, encore les oreillons. Ah ben oui, je les ai eu deux fois. Super rare. Hey, Nerdy, regarde! Je marche la tête en bas et je jongle avec mes yeux en même temps! Ouais, super! Oh! Et puis ça, tu vois, c'est l'année où il y a eu plein de moustiques! Regarde, Nerdy! J'arrive à m'enrouler sur moi-même et me transformer en ballon! Nerdy, je suis coincé, Nerdy! Aide-moi! Tu l'as envahi de la tête! T'es une extraterrestre, je le sais, je le sais, je le sais! Laisse-moi tranquille! Hein? Ah! Il ne pense qu'à elle et rien d'autre. Je suis devenu de la crotte de blob pour lui maintenant. Ah bon, mais sinon, ça va? Hé, hey, tu prends pas froid, hein? Tu n'es pas malade au moins. Tu manges bien, c'est pour savoir. Mmh. Écoute, Jamie, quand ta mère fréquentait cet ignoble mercurien, j'avais élaboré un stratagème pour les séparer. Tu veux les connaître, fiston? Quoi? Tu n'as quand même pas fait de mal à ce pauvre mercurien? Non, bien sûr que non, enfin. Mmh. Je dois y aller, Jamie. Hé, hey, oh, le monstre! Tu veux que Josette parte, pas vrai? Alors je te propose qu'on fasse équipe pour la chasser de cette maison, d'accord? Quoi? Faire équipe avec toi?
Je suis pas rassurée. Tu vas pas essayer de me faire des coups en douce? Bien sûr que si. Mais pas avant qu'on ait réussi à se débarrasser d'elle. D'accord, ça marche. On fait quoi maintenant? Un kidnapping. Elle nous pique notre idée. On peut pas la laisser faire, lieutenant. Mais si, au contraire. Ils vont faire le travail à notre place. On laisse la cible enlever sa cousine, qu'on enlève ensuite pour l'échanger contre la cible. Tu veux qu'on kidnappe Josette? Mais pourquoi? Non, pas Josette. Nerdy. Nerdy? Mais pourquoi? Pour commencer, il ne court pas vite du tout. Et puis, il a toujours la trouille, donc il sera super facile à attraper. Ensuite, on envoie une lettre anonyme à Josette en lui disant que si elle veut avoir la chance de revoir Nerdy un jour, faut qu'elle parte d'ici. Oui, mais si elle part, elle pourra pas le revoir non plus. Me coupe pas la parole! Bien. Bah, Paraffine, c'est toi? Non, tu peux pas me reconnaître. J'ai un sac sur la tête et je déforme ma voix. En ce qui concerne les conditions de détention, je dois vous prévenir que je suis allergique à la poussière, au gluten, à l'arachide, aux œufs, aux plantes, aux poils de chat et certaines eaux minérales. Attendez une minute! Est-ce que vous allez vraiment m'enlever? De revoir ton cher Nerdy, repars sur ta planète immédiatement. Si je pars, je ne le reverrai jamais non plus. Qu'est-ce que je t'avais dit? Tu vas faire quoi alors? Bah, je vais partir, bien obligée. Je ne voudrais quand même pas qu'il arrive quelque chose à Nerdy à cause de moi. Hein? C'est bon, tout est ok. J'ai refait les niveaux et j'ai changé les balais. Tu peux y aller. Mais c'est marrant, elle est pas comme ma soucoupe. Son moteur est différent, on dirait de la mécanique Vlock. Bon, ben, on va pas te retenir plus longtemps. J'aurais quand même bien aimé pouvoir dire au revoir à Nerdy. Oui, oui, on lui dira. Dis-moi, Jamie, notre pacte, il est fini, là, non? Ouais, je crois. Pourquoi? Voilà pourquoi. Oh non, lieutenant! Jamie, il s'est envolé avec sa cousine! Mais ce n'était pas le plan! Yes! Je vais raconter ça à Josette! Où est-ce qu'elle est? Nerdy, il va falloir être très fort! Oh. Jamie? Je sais pas ce qui s'est passé. Oh, alors là, je suis vraiment trop fort. J'ai réussi. Quand je vais raconter ça au général. T'as une drôle de voix, Josette. Tu te sens bien? Je ne me suis jamais sentie aussi bien. Oh non! Ma cousine est un Vlock! Mais je ne suis pas ta cousine. Ah, d'accord, ça me rassure. Mais comment vous avez fait? Les Vlocks ne peuvent pas respirer sur Terre! Je suis un champion d'apnée. Je m'entraîne depuis plus de 2 ans. Ah! Allô, général? Vous pouvez servir l'apéritif. J'apporte le plat du jour. Et c'est comme ça que Jamie et Josette ont décidé de retourner auprès de leur famille. Les deux personnes que tu aimais le plus au monde, mon pauvre Nerdy. C'est pas ton jour de chance. Josette. C'était pas Josette. Hein? Tu étais amoureux d'un Vlock.
Mais Jimmy, elle est où alors la vraie Josette? Parce que tes parents, ils avaient dit qu'elle allait venir. Je suis là. Salut, ravie de te rencontrer, Nardi. Et voilà, c'est reparti. Dis Jimmy, il tient toujours notre pacte. Promis juré, cette fois, je tomberai pas amoureux. Jimmy est revenu, et la cousine aussi. On revient au plan initial. On enlève Jimmy? Mais non, on enlève la cousine afin de l'échanger contre Jimmy. Vous avez compris cette fois, sergent? J'ai un peu mal à la tête, là. Non, ne dites rien, mon général. Moi aussi, je meurs de faim.